Salut, c'est de chez Bourgeois Chevrolet. Aujourd'hui, les annonces de GM au CES 2022 et deux petites nouvelles concernant le rappel des batteries des Bolt. Donc, comme je vous ai mentionné, euh, aujourd'hui on va parler des annonces que GM a fait au euh, Consumers Electronic Show de Las Vegas euh, le 5 janvier passé. Et euh, il y a deux petites nouvelles que je vais parler concernant le rappel euh, des batteries euh, des boats. Euh, bon, on va commencer par le rappel des batteries. Euh, comme je vous dis, c'est deux, deux, vraiment deux petites nouvelles, là, euh, mais il y en a une qui n'est pas confirmée. Je ne sais pas si on va voir, euh, on va voir ça arriver au Canada. Première des choses. Euh, elle, la première nouvelle qui n'est pas confirmée, c'est il euh, y a un, euh, un site américain euh, qui annonce que GM enverrait des petites vignettes pour que le client puisse coller dans sa voiture, euh, je vais vous montrer la vignette, là, euh, pour dire que la batterie de ce véhicule-là a été changée et donc il euh, n'y a pas de risque d'incendie. Mais comme je l'ai dit, je ne sais pas si c'est quelque chose qui va arriver au Canada. Fait que si vous recevez ça par la poste, vous avez su, c'est venu de où? Ce que quand je vous dis, c'est ça. Euh, L'idée de la petite vignette avec le petit code QR, c'est pour que... Euh, parce qu'il y a beaucoup, bien, beaucoup... On dirait en guillemets, là. il y a certaines personnes aux États-Unis qui avaient vraiment des problèmes au niveau des stationnements. exemple, c'était même rendu qu'on voyait des pancartes au niveau des stationnements intérieurs de dire euh, aucune botte EV est acceptée, etc. Donc, ça va être pour prouver à ce moment-là aux propriétaires euh, du stationnement intérieur ou des condos ou tout ce que vous voulez là, euh, que la, la véhicule, la batterie a été changée. Fait que ça, c'était la première petite nouvelle. La deuxième petite nouvelle concernant les, leur appel des batteries, c'est que euh, dans mon dernière vidéo, je vous mentionnais que GM avait mis euh, faisait une mise à jour pour euh, seulement et uniquement les 2019 euh, pour mettre la batterie à 80%. Donc, je ne vais pas revenir sur ce que c'est qu -ce la mise à jour en tant que telle là, en détail. Et cette mise à jour là, depuis le début du mois de janvier, est disponible pour tous les années modèles de l'année 2017 à l'année 2022. Ok, bon. Là, je vous le dis, j'ai des gens qui m'ont appelé par rapport à quand ils ont sorti ça pour dire, euh, est-ce est que les concerts vont être capables de livrer euh, les véhicules qui sont dans les cours de concert que vous attendez ou les véhicules qui s'en viennent euh, sur le transport, etc. La réponse est non. L'arrêt des livraisons sur euh, les bottes est toujours en vigueur. Et comme je, je, vous, je vous dis depuis un ou deux vidéos, je ne me souviens plus, c'est que... Les batteries vont devoir être changées. Toutes les batteries des véhicules vont être changées au complet de à Donc, ce qui va arriver, c'est tant que la batterie du 2022 que vous avez, exemple, dans la cour du concernant ne sera pas changée et ne pourra pas vous livrer votre véhicule. C'est simple comme ça. Fait que ça, c'était les deux petites nouvelles concernant le rappel des bottes. Euh, à date. Fait comme je comme j'ai dit, je pas assez de, 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 de viande pour faire un gros vidéo. Fait que là, c'est les deux petites dernières nouvelles que j'avais. Le 5 janvier dernier, GM au euh, Consumers Electronic Show a annoncé euh, l'avenue du nouveau euh, Silverado. Électrique euh, de l'année 2024. Ce qu'on sait à date du Severado électrique, le prix de base annoncé, ça c'est en canadien, est à 54 748 okay. Ce qu'on ne sait pas par contre, est-ce que ça inclut le transport préparation? Je n'ai pas réussi à confirmer la nouvelle quelque part qui disait que oui là. Fait qu'on va présumé que ce serait plus transport-préparation, mais comme je dis, on ne sait pas à date. Okay? Mais comme je dis, le prix de base de la voiture, c'est 54 748 okay? Lors de la présentation, le modèle qu'ils ont présenté, c'était le euh, Silverado euh, RST première édition, et euh, le modèle était annoncé à 122 248 Canadien. Okay. On pouvait prendre les réservations en ligne sur ce véhicule-là, et les réservations sont déjà toutes vendues. Donc, techniquement parlant, la première édition est sold out. Okay. Bon. La disponibilité de ces, mo ce mo de, de ces modèles-là, OK. Euh, le Silverado RST première édition, OK, va être disponible en automne 2023. Okay. Et le reste, le reste de la gamme, pardon. Elle va être disponible au printemps 2024. Bon. Ce que GM a annoncé aussi, concernant l'autonomie du véhicule, le véhicule a une autonomie jusqu'à 640 km. OK? Bon. Euh, là, ce qu'on ne sait pas, euh, c'est sûr qu'il va y avoir des, 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 des. Comment je peux vous dire ça? Des. Euh, des configurations avec des plus petites batteries plus grosses batteries là, Ça va être à peu près dans le même genre Que qu ce qu'on a, qu qu a vu dans le, le GMC Hummer euh, Mais comme je l'ai dit La plus grosse batterie va faire Que le véhicule va avoir une, batterie, euh, une capacité de euh, un nombre de kilomètres de 640 km. Bon. La capacité de charge de ce, <laughs> pardon, de, <laughs> de ce véhicule là Dans le modèle RST Donc le modèle qu'on a vu au CES euh, Était de 10 000 livres et euh, il y a d'autres modèles qui vont arriver par la suite, dont le modèle euh, WT, le modèle Work Truck, qui est beaucoup plus pensé pour les flottes euh, de véhicules. Euh, c est, c est, la capacité de charge de ce véhicule-là a été annoncée à 20 000 livres. Donc, qu'est-ce qu que ce véhicule-là va être capable de faire? OK? Bon. Je vais juste ouvrir une petite parenthèse et je vais répondre aux anti-VE. OK? Parce que quand ils ont fait la présentation du Silverado, bon, il y a plusieurs sites internet ont présenté ça et j'ai vu souvent des réponses, euh, pas des réponses, des questions ou des, des affirmations ou des, des... en voulant dire « Ouais, mais là, l'autonomie avec 10 000 livres dans, dans le derrière, ça va être quoi? Ça va être 300 km, 200 km? » OK. On ne le sait pas. Et moi, je vais vous poser une question à tous ces anti-VE là, OK. Est-ce que vous vous posez vraiment la question à savoir c'est quoi votre consommation d'essence ou de diesel quand vous tirez 10 000 livres avec un véhicule à essence ou un véhicule électrique, un véhicule à diesel. Si vous faisiez du 15 litres au 100, ça se peut-tu que vous faites du 22 litres au 100? Ça se peut. Ça va être la même chose qu'un véhicule électrique. Donc, si vous faites du 22 litres au 100, vous ne ferez pas la même autonomie en bout de ligne. C'est simple de OK? Fait que moi, c'est la question que je vais vous poser. Je vous garantis qu'il n'y a pas personne qui s'est posé la question avant d'acheter un pick-up, savoir c'était quoi la consommation avec, en tirant X nombre de livres. Ça, je vous garantis ça. OK? Ferme-tu la parenthèse? Bon. Si on continue euh, concernant le Silverado électrique, euh, ce qui va, euh, ce qui est annoncé aussi par GM concernant la batterie, c'est que euh, la batterie va être d'une est une 800 volts. Okay, bon. Pourquoi je parle d'une batterie de 800 volts C'est que plus le voltage de la batterie est gros, plus la capacité de recharge est grande. Okay? Euh, présentement, la, la très très grosse majorité des véhicules que vous allez avoir sur le marché ont des batteries de 400 volts. Là, j'inclus euh, la boîte là-dedans. Là. Donc, la capacité de recharge est beaucoup plus petite quand c'est des une batterie de 400 volts que 800 volts. Okay. L'autre chose qui est annoncée par GM, c'est que cette batterie-là a une capacité de recharge, euh, si vous la branchez sur une bande de recharge rapide, de 160 km en 10 minutes. OK, bon. C'est sûr que c'est du marketing. C'est sûr que ça va être le pic, là, parce que quand vous rechargez une voiture électrique, il y a toujours un pic que vous allez arriver. Après ça, ça se met à descendre pour protéger sa batterie. Ça, ça, va être dans le pic, là. OK, bon. On n'a pas aucun. <coughs> Pardon, on n'a aucun aucune information concernant le chargeur interne de ce véhicule-là, OK? Ce que j'ai fait, j'ai parlé à quelqu'un que lui connaît ça beaucoup plus que moi, les BRCC, puis j'ai juste, juste dit, bon, c'est une batterie de 800 volts que GM annonce qu'elle a une capacité de 160 km en 10 minutes. Il dit, on pourrait supposer quoi? La réponse que lui m'a donnée, c'est qu'on peut supposer que le véhicule aura une capacité d'utiliser les chargeurs, un chargeur, une BRCC entre 200 et 250 kW. C'est qu'est-ce qu'on peut supposer, euh, qu'est-ce que GM nous a donné, mais ça va rester à voir et à euh, savoir au fil du temps que les informations vont sortir sur ce véhicule-là. À force de regarder le véhicule, il me fait penser, il me fait penser beaucoup, beaucoup au Chevrolet Avalanche qu'il y avait dans, euh, dans les années 2000. Euh, pourquoi je dis ça? C'est que. Euh, en partant, le véhicule a exactement le même principe que l'Avalanche à l'époque, c'est que la boîte à l'arrière communique, communique avec la cabine à l'avant. ce que ça veut dire, c'est que euh, dans le cas de l'Avalanche, à l'époque, on pouvait descendre une, une certaine porte euh, jusqu'à la vitre à l'arrière. On descendait la vitre, on, puis ça faisait comme un autre, une autre un autre tailgate, dans le fond, qu'on allait vers la cabine. Fait que ça, ça grossissait beaucoup, beaucoup l'espace de rangement dans cette boîte-là, OK? Euh, GM dit qu'avec cette porte-là fermée, euh, la capacité totale en longueur serait de 10 pieds. C'est qu ce que GM a annoncé par rapport à ça. Euh, donc, c'est pour ça que... Puis on regarde le look du véhicule aussi, on voit vraiment que c'est... On ne peut pas dire c'est le petit frère de l'avalanche, mais on voit vraiment que les, les, les gens ont... Les, les, les dessinateurs ont vraiment, sont vraiment allés vers ce type euh, de look-là pour la voiture. Euh, même principe, il va y avoir, le, comme le GMC en main, il va avoir à l'avant, il va avoir une valise, euh, le front, là, comme qu'ils disent. Fait que c est, c est, c est, en gros, c'est ça euh, par rapport à ça. L'autre nouvelle qui est annoncée au CES 2022, c'est euh, GM... A annoncé, parce que la première, la, la première fois que GM a fait cette annonce-là, euh, eux autres annonçaient pour l'année 2040. OK, bon. C'est que GM a annoncé au CRS avec l'avancement des batteries, etc., qui sont, qui sont en train de travailler dessus. C'est que GM va avoir une, ils vont, ils vont être en mesure de, de faire une conversion, une conversion totale de leur flotte de camions HD d'ici 2035. OK? Il y a un certain article qui a passé sur un réseau, sur Internet, dans une association que je nommerai pas Trois Petits Points. Euh, le titre était vraiment. Euh, c'est une traduction anglophone et le titre laissait vraiment désirer euh, assez que j'ai eu énormément de, 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 de demandes. Bon, hein, ça n'a pas de sens que c'est ça, cette, cette affaire-là. Tu parles d'une idée. Euh, OK. Comme je vous ai dit, c'est. La, conversation, la conversion totale de la flotte de camions HD d'ici 2035. C'est quoi un camion HD? Un Silverado électrique, là, ce n'est pas un HD. C'est ce qu'on appelle du euh, Light Duty Truck, du LD ou du Medium Duty Truck, du MD. Okay? Quand on parle du HD, c'est du Heavy Duty. Okay? Donc, tout ce que vous allez voir, exemple, 2500 HD. 3500 HD. Euh, quand on parle de 3500 HD, là, vous allez avoir, ça va arriver souvent qu'on va avoir des véhicules avec des doubles roues à l'arrière. Euh, après ça, vous allez avoir d'autres gammes. C'est beaucoup plus rare parce que ce n'est pas tous les concerts qui vont être capables de vendre cette gamme-là. Mais vous allez avoir du 4500 HD, du 5500 HD, puis du 6500 HD. Ça, c'est vraiment des véhicules pour travailler. Par okay? exemple, tout ce qui est camion d'Hydro-Québec. Que tout ce qui est camion, de gaz, métro, des affaires comme ça, c'est vraiment des, des, ce style de camion là qu'ils vont utiliser. GM a l'idée de convertir cette flotte-là au complet électrique d'ici 2035, OK? Fait que ça, en gros, c'est euh, les annonces que Jim a fait concernant les, euh, leurs camions électriques, OK? La surprise que GM a fait au CES, c'est de nous sortir. Et puis on avait fait la même chose à l'époque quand elle avait sorti la, la montrer la deuxième génération de la Bolt, la Volt, pardon. Ils nous avaient présenté la Volt, Là, ils nous ont présenté ce qui serait le Chevrolet Equinox électrique. OK. L'Equinox électrique, ce qui a été annoncé, c'est que le prix canadien de ce véhicule là. Serait de 37 250 okay? Ça devrait inclure le transport préparation, ce que j'ai pu comprendre. OK? Mais comme je vous ai dit, tant son temps que le prix officiel ne sera pas sorti, ça peut changer une coupe de pièces. Mais comme je dit, ce qui est annoncé, c'est 37 250 canadiens, incluant le transport et la préparation de ce véhicule-là. Bon. La disponibilité du modèle, euh, ce qu'ils nous ont dit, c'est que euh, le modèle LT, euh, ce qu'on voit sur les, sur, sur les photos, c'est le modèle ARS que le, lui qui est en rouge. Euh, le LT, c'est lui qui est en gris. Euh, le modèle LT, donc, sera, normalement, ça devrait être le bas de gamme. Euh, il va être à l'automne 2023. Euh, le prix et la disponibilité du modèle ARS, on va, te, on, il va être connu un peu plus tard, que sûrement dans le courant de cette année ou au début de l'année prochaine. Là, euh, parce que c'est un véhicule qui est pour sortir au printemps 2024. Et, à, fin de cette année ou l'année prochaine, ça ne changera pas grand-chose rendu là. Okay. Euh, ce que j'ai. Ce que je pense, OK, c'est qu'on va sûrement parler d'une autonomie qui va tourner autour du 480 km. Okay. Alors, on n'a pas de détails concernant euh, la charge, euh, donc la chargeur interne. On n'a pas de détails par rapport à ça. Mais ce que j'ai pu voir sur certains sites internet qui sont assez réputés normalement, puis quand qui, normalement ils disent quelque chose, ils sont pas trop dans le champ, ça devrait tourner autour du 480 km. Ok. L'autre chose qui a sorti au CES, ça c'est une autre surprise, c'est qu'ils vont sortir un Chevrolet Blazer électrique. Ok. Euh, dans son cas à lui, il y a aucun prix qui est annoncé. Puis ils nous ont parlé d'une disponibilité au printemps prochain, donc au printemps 2023, dis donc d'ici. Euh, un an, euh, ce véhicule-là va être en concession. Euh, là, on peut supposer aussi que l'autonomie sera à 480 km, mais comme je vous l'ai dit, on n'a rien euh, qui, qui est par rapport à tout ce véhicule-là. On ne sait pas euh, l'autonomie, le la chargeur, etc. Comme je vous l'ai dit, on n'a même pas le prix encore qui est annoncé de ce véhicule-là. OK? Bon. Tous les modèles qui ont été annoncés euh, de la part de GM, on parle d'une... Ce sont tout, tous des véhicules, OK, qui ont la plateforme Ultium. OK? Euh, donc, tous les véhicules à partir euh, du GMC Hummer qui sortent sur ces véhicules-là, donc qui, qui, qui font leur entrée comme nouveaux modèles, ont toute la plateforme ultium. OK? Euh, donc... Ne posez pas la question à savoir est-ce que ce véhicule-là va avoir la, la batterie lithium? Ils vont l'avoir. Ils vont tout avoir ces, ce système-là. GM s'en va vers ce style de batterie-là. OK? Euh, deux choses en terminant que GM a annoncé, qui euh, touche toute la gamme de véhicules au complet d'Orazine, c'est le lancement de la plateforme, ce qu'on appelle la plateforme, que GM a appelé la plateforme Ultifi. Là, je voulais exactement ce que GM a marqué. Là, vous allez comprendre c'est quoi l'histoire. Cette plateforme permettra la livraison transparente de mises à jour, d'options de personnalisation et d'applications nouvelles et palpitantes aux conducteurs sur demande, en plus d'améliorations logicielles apportées régulièrement. Donc, ce qu'il est en train de nous dire, ce que Jim est en train de nous dire, c'est qu'il va être capable de faire des euh, mises à jour euh, over the air. Ils n'ont pas mentionné aussi quel véhicule commencera avec cette plateforme Multifi-là. Euh, on peut supposer qu'à peu près tous les nouveaux véhicules qui vont s'en venir avec ça, euh, dans le cas des électriques, vont l'avoir, mais ça va rester à confirmer. Et finalement. La dernière chose que Jim a euh, lancée euh, sur euh, OCS, le, c'est le lancement de ce qu'on appelle, ce qu'eux ont appelé ça, l'Ultra Cruise, qui fait euh, suite à, au Super Cruise. Bon, euh, juste pour rappeler aux gens, qu'est-ce qu'un Super Cruise Le Super Cruise Control, c'est euh, le début. De la conduite autonome. Donc, exemple, dans le cas de la boîte AUV 2022, vous avez, avez l'option du cruise Control. La voiture sur les grands axes routiers. Euh, donc, on parle de tout ce qui est autoroute. Euh, qui, quand je parle d'autoroute, c'est autoroute qui ne se rencontre pas. Donc, exemple, on prendrait l'autoroute 15 quand vous allez dans, dans le Nord, ou euh, la 40 ou la 20 quand vous allez à Québec. Là. <coughs> Pardon. À ce moment-là, la voiture va se conduire toute seule. Okay. Euh, vous dites, moi, je à 100 km/h, elle va se mettre à 100 km/h. On va suivre le, 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 le trafic. Euh, par contre, on ne fera pas de changement de voie. Mais ça, c'est la première génération de euh, ce Super Cruise-là. Euh, par la suite, il y a une deuxième génération qui, 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 qui va arriver dans les Cadillacs. Euh, à ce moment-là, ce, ce qui va arriver, c'est que vous allez clienter la voiture, on va faire un changement de voie tout seul. Okay? Dans le cas de euh, l'Ultra Cruise, euh, là, on parle d'un fonctionnement de porte à porte. Ce que ça veut dire, c'est que ça va fonctionner autant sur les autoroutes. Les en ville et sur euh, les routes secondaires. Euh, ce que j'ai annoncé par contre, c'est que le premier modèle à avoir ce, cet ultra-cruise-là, ce serait le Cadillac Celestic qui va arriver dans les prochaines. Pas vraiment... Honnêtement, je n'ai pas vérifié de date parce que étant donné que je ne vois pas de Cadillac. Je ne suis pas allé voir de date, savoir quand ça sortait. Mais on va supposer que c'est un véhicule qui va sortir d'ici deux ans. Je peux me tromper, mais ça devrait être ça. Okay. Fait que... En gros, c'est ça. Donc, c'était ça mon petit vidéo euh, qui vous parlait de les annonces que j'ai euh, a faites au CES et les deux petites annonces, euh, les deux petites nouvelles concernant le rappel des batteries. Et euh, en terminant, juste pour vous dire que le rappel des batteries va bien. Euh, on est toujours dans les années 2017 à 2019 au niveau des rappels des batteries. Plus ça va, plus sorte ils relâchent les numéros de série pour que les consommateurs puissent contacter le client et commander leur batterie pour que ça puisse changer. Et non, je n'ai pas de date à savoir quand est-ce que la section 2020-2022, ça va commencer. Une chose est sûre que la journée que je vais le savoir, vous allez le savoir. Fait que sur ça, moi, je vous quitte. Merci beaucoup. À la prochaine. Et. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et quand vous vous abonnez à ma chaîne, il y a la petite cloche que quand vous cliquez dessus, à chaque fois que je vais mettre une nouvelle vidéo, vous allez être au courant d'avoir une notification par YouTube et ça, c'est entièrement gratuit. Fait que sur ce, moi, je vous quitte. Bye. À la prochaine.